Salut les amis, c'est Sam. Voilà, bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. Voilà, vous savez quoi, aujourd'hui je suis en train de faire un full day de prospection. Voilà, comme tous les mardis, enfin tous les lundis, mardi, mercredi, je fais un full day de prospection. Donc là, c'était pas mal. J'ai obtenu trois sessions stratégiques en une matinée, ce qui est pas mal, bien sûr, peut mieux faire. Et donc du coup, j'ai pensé à vous faire cette vidéo là en direct. On faisait un full détail de ce que je fais, comment je fais, etc. Donc, je pense que c'est intéressant pour vous de voir. Donc, là, ce que j'étais en train de faire, c'est que j'étais en train de chercher des cabinets dentaires parisiens, parce que c'est là où je suis. Et ce que j'étais en train de faire, tout simplement, je regardais celui-là, en fait, cabinet dentaire médical Paris Axo. Je l'ai checké sur Instagram, j'ai vu que bon voilà, il n'y avait rien du tout. Donc je suis allé chercher sur Google s'il y avait des infos avec un numéro ou quoi. Mais je préfère envoyer directement un email. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur la page Facebook, je les ai trouvés et j'ai trouvé leur email directement. Donc ce que je vais faire un copier-coller et je vais leur envoyer un email là rapidos. Donc voilà, j'essaie d'être assez rapide pour ma prospection, de faire une prospection assez efficace. Donc là, mon template, il est déjà prêt. Le template pour dentiste et pro de santé. Tac, j'ai pu voir que vous aviez lancé des comptes sur la plateforme Facebook et Instagram depuis quelques temps. Voilà, je vais laisser ça tranquille. J'aime bien tweaker un peu le titre chaque fois. Je vais mettre obtenez 34 patients supplémentaires ce mois-ci pour le centre Axo. Boum. Au moins, je sais que l'email, il y a de fortes chances qu'il soit ouvert. Boum. Donc, l'email est prêt. Tac. Send. J'envoie. Tac, il a envoyé. Donc ce que je fais après, je retourne sur ma fiche de prospection. Donc moi j'ai ce que j'appelle une direct outreach list. Désolé. J'allais dire désolé pour mon anglais, mais non, mon anglais est bon. Donc là, je rajoute, voilà, j'ai envoyé un mail de plus. Les appels, bon, j'ai pas trop fait d'appels aujourd'hui. Je crois que j'en ai fait quelques-uns, mais j'ai pas noté. Et voilà, boum, on continue la prospection. Donc voilà, j'étais sur Instagram, cabinet dentaire Paris. On repart, on regarde s'il y a d'autres personnes à chasser. Donc celui-là, c'est celui-là de tout à l'heure. Cabinet dentaire Paris 17. Intéressant, intéressant. Gabriel Wany, chirurgien dentiste et ses collaborateurs. Pas mal du tout. Voilà. Compte privé, donc aucune publication. Non, non, c'est même pas un compte privé, c'est un compte public. Voilà. C'est un compte public, mais il n'y a absolument rien dessus. Donc, je sais qu'il s'appelle le docteur Gabriel Wanisch. Et je vais aller le traquer. Je vais le traquer sur Google. Boum. Gabriel Wanisch. Donc, tac. Voilà, il est situé dans le 17e arrondissement de Paris. J'ai son numéro et vous allez voir un full sales call là, en direct. 01 42 67 73 92. Boum. C'est parti. Watch out. Bon, ça sonne. Oui, allô, bonjour. Serait-ce possible de parler au docteur Wanish, s'il vous plaît? Gabriel Wanish, s'il vous plaît. Il est en congé, d'accord? Il revient quand? Le 4 novembre? Bah, peut-être à son associé, alors, si possible. Alors en fait, qui je suis Monsieur Tazi, je m'occupe d'une entreprise de marketing digital basée à Paris. On aide en fait plusieurs professionnels de santé à obtenir plus de patientèle grâce aux réseaux sociaux et Internet. Qu'est-ce qui vous fait rire?
Exactement, en fait, c'est. Mais d'accord, mais c'est très sérieux, hein. Ce n'est pas une blague. J'ai vu que votre. D'accord. Ah oui, non, y a pas de souci, hein. C'est ma façon de parler. Ah oui, mais tout à fait, c'est le cœur de notre métier. Parfait. Oui, exactement. Oui. AOL, waouh, c'est ancien ça, ces boîtes mail. AOL.com. Exactement. AOL, c'est les débuts d'Internet. Ok, d'accord. Bah, exact. Je vous avais appelé parce que j'ai vu que votre cabinet dentaire était sur Instagram, par exemple. Et donc, je suppose que vous êtes à la recherche de plus de patientèle, mais il n'y a aucune publication encore sur votre compte Instagram. Donc, je pense que je vous serai d'une utilité importante. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre sympathie. Bonne journée, au revoir. Donc voilà, là je vous ai montré un Salesforce que je viens de faire en direct. Donc la personne en l'occurrence, le dentiste Gabriel Wanisch, n'est visiblement pas présent. Il est en congé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien évidemment pris son adresse email. Donc vous pouvez voir l'adresse AOL qui. Voilà, AOL c'est les American Online. C'est vraiment les débuts d'Internet en 1993. Alors que voilà, on est quasiment en 2020, tout le monde a une adresse Gmail ou Hotmail. Quoi qu'il en soit, voilà comment ça se passe, une prospection efficace, rapide. Voilà. J'ai chassé, j'ai cherché, j'ai trouvé une personne sur Instagram, un cabinet dentaire, je les ai appelés. J'ai obtenu au moins un email, voilà. Peut-être que j'aurais pu l'obtenir directement sur la page Facebook, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je pense qu'ils peuvent peut-être être intéressés. Donc ce que je vais faire, c'est que bien évidemment, je vais envoyer un email, un cold email bien sûr. Voilà, j'ai déjà les templates qui sont prêts. Dentiste et pro de santé, insertion. Voilà. Je vais quand même m'assurer que Wanish, c'est bien. Toujours vous assurer d'envoyer à la bonne adresse, au bon nom. H, H avec une niche. H, niche, ok, il n'y a pas de à la fin. Pas de à la fin. Pas de à la fin. D'accord. Donc voilà, tac. Ensuite, je mets toujours moi le titre pour que ce soit un peu personnel. Je mets docteur ou à niche. Obtenez plus de patients, non. Obtenez, ça marche toujours quand on fait, obtenez 23% de patients en plus pour votre cabinet. D'accord. Bonjour, blablabla. J'ai pu voir que vous avez lancé des comptes sur la plateforme Instagram, Facebook depuis quelques temps. J'aimerais vous offrir un outil gratuit à vous donner des axes d'amélioration concernant votre présence en ligne. Voilà, toujours laisser son numéro et son site internet éventuellement. Boum, send. Donc là, Gabriel Wanisch donne. Il est 14h11. Il est 14h11. Gabriel Wanisch, c'est fait. Donc je me jette sur ma fiche Google. Je tape Gabriel Wanisch. On sait que c'est un docteur. Mail, ok, done. Done, 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 c'est fait. Éventuellement, ce que je peux faire, mais je viens d'y penser, c'est que. D'ailleurs, voilà, les amis, si vous voulez me rajouter sur LinkedIn, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Sam Tazi, rajoutez-moi sur LinkedIn afin qu'on puisse discuter. Gabriel Wanish. Hop là, on voit qu'il est également sur LinkedIn.
Bon, Australie, c'est peut-être pas lui, donc on laisse tomber. Bon, je repars sur ma prospection. Sur ma prospection, donc on était là, donc on va refaire cabinet dentaire pour voir s'il y a autre chose. Cabinet dentaire Paris. Donc lui on a fait cabinet dentaire de Paris. Voilà, bon ça il n'y a pas d'infos, je sais pas qui c'est, ça va être compliqué. Cabinet dentaire Paris. Tac. Ça va être chaud, ça va être chaud. Est-ce que des locations? N'y a plus rien. Donc ce que je peux faire, c'est esthétique dentaire Paris. Il est 14h13. Esthétique dentaire Paris, ça donne rien. Donc vous voyez ce que je fais en fait, c'est j'utilise Instagram comme tout simplement un moteur de recherche. Donc voilà, vous pouvez le faire sur votre ordinateur de bureau ou votre téléphone portable. Je préfère le faire directement sur l'ordinateur de bureau afin d'éviter toute distraction avec mon téléphone portable et rester focus sur ma prospection qui est super importante aujourd'hui. Cabinet. Bon, on va essayer autre chose. Invisalign Paris. Donc Invisalign, je sais que c'est un traitement d'orthodontie. On fait ça. Elle s'est déjà vue hier. Invisalign Paris. Invisalign Paris. Lui, je le connais déjà. Voilà, bon, on a lui. Dans le 5e arrondissement, Invisalign Paris 5. David Toledano. Docteur David Toledano. Donc, on sait que voilà, son Instagram est bien pourri. Il ne ressemble à rien. A que deux publications. Donc, on va aller checker ça sur Google, Dr. David Toledano. Qui a bien. On sait que c'est un orthodontiste, donc c'est lui. Donc ce que je vais faire, je regarde toujours en fait sur. Là, je peux éventuellement ajouter sur LinkedIn, déjà, c'est une bonne chose. Sur Facebook, apparemment, il n'y a rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau sales calls pour vous. Un sale call, pardon, en direct. Donc vous allez voir en direct ce que ça va donner mon sales call. Voilà, ça sonne. Oui, allô, bonjour. Serait-ce possible de parler au docteur Toledano, s'il vous plaît? D'accord. Auriez-vous éventuellement un email afin que je puisse l'envoyer un email, s'il vous plaît? Il n'y a pas d'email? Ok, bah je veux bien laisser un message alors. Bien, en fait, je suis Monsieur Tazi, je m'occupe d'une entreprise de marketing digital. On aide plusieurs professionnels de santé parisiens, dont des chirurgiens esthétiques et des chirurgiens dentaires, à obtenir plus de patientèle en fait grâce aux réseaux sociaux et internet. Et donc voilà, j'étais en train de me renseigner sur l'activité de votre cabinet et je voyais que vous aviez lancé une page Instagram depuis quelque temps, mais qu'elle n'était pas gérée et active, d'où en partie la raison de mon appel. Voilà. Monsieur Tazi, Tazi. 09 71 37 04 73. Ok, super. Mais écoutez, je vous remercie, bonne journée, au revoir. Voilà, je viens de raccrocher un nouveau sel. Bon, ça c'était pas vraiment un sel call du coup, et celui d'avant non, malheureusement.
Dommage que j'ai pas enregistré tout ça ce matin, parce que ce matin j'ai parlé directement au responsable et j'ai obtenu 3 sales calls en peut-être 3 heures ou 2 heures. Donc voilà, ça non, j'ai obtenu des sessions stratégiques, pardon. Donc des sessions stratégiques, ça va être un rendez-vous physique ce jeudi matin, un rendez-vous, une session stratégique là dans 50 minutes. Parce qu'il est 14h17 et j'ai un rendez-vous Zoom à 15h. Voilà, pour un deal. Espérons que ça va le faire. Et j'ai un autre rendez-vous demain avec un cabinet dentaire à 14h. Donc voilà comment avoir trois sessions stratégiques en une matinée, tout simplement. Et là, voilà, je voulais vous faire cette vidéo. J'y ai pensé sur on the go, comme on dit. Pour vous montrer un peu ce que ça donne la prospection rapide et efficace d'une manière focus et intense. Donc voilà les amis, c'était Sam. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné des idées pour votre prospection, pour aller prospecter, chasser des nouveaux clients, obtenir du gros cash pour votre agence de marketing digital, parce qu'au final c'est quand même ce qui compte. Donc voilà, on se voit très très bientôt dans une nouvelle vidéo.